Salut à tous, ici la Love Casa Gaming. Et aujourd'hui, nous allons parler de Siren Head. Si vous ne le connaissez pas, comme vous pouvez le voir, il est extrêmement immense, hein. Et nous pouvons poursuivre avec d'autres exemples. Siren Head est une créature grande, un peu momifiée. Fait avec de la cire un peu. Et ces micros, vous pouvez voir, il fait des bruits extra chelous pour attirer un peu sa proie. Je vais vous les montrer dès maintenant. Bon, ça aussi. Donc j'espère que vous... Donc voilà un peu... Il fait d'autres bruits là, mais je vous les mettrai pas tous, sinon ça peut être un peu long. Donc et voilà, ça, elle est une bestiole extrêmement... Comme disait Siren Head, peut être une bestiole extrêmement dangereuse. Donc, faites-y attention, hein. Important, hein, parce qu'il peut être extrêmement dangereux. Ben, en fait, j'ai jamais vu, donc je sais pas s'il est dangereux ou pas. Mais il fait partie des trucs monstres, donc j'imagine qu'il est dangereux. Donc, voilà, Siren Head est super dangereux. Je sais, je montre pas beaucoup de photos. C'est parce que j'ai la flemme d'aller dans Cersei et il n'y en a pas tant que ça. Bah en fait, il y en a beaucoup, mais de la merde. Donc ici, je vais vous montrer une petite vidéo de 12 secondes de ce qui a fait le buzz sur Internet de Siren Head. Voilà. Il n'y a pas de musique par contre. Pour voir, c'est extrêmement énorme, sa mère. Et si vous kiffez ces genres de vidéos horreur où je parle un peu de toutes ces créatures, voilà, qu'on pourrait, voilà, on pourrait faire des vidéos. On pourrait en faire quelques-unes, s'il vous plaît. Donc, à... À 5 pouces bleus, ouais, ça c'est un peu nul. Hein. Moi j'ai pas un énorme abonné, donc dans 5 pouces bleus, je fais un épisode 2 de Siren Head. N'oublie surtout pas de t'abonner et de laisser un gros pouce bleu.